Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Citroën. Nous avons décidé de vous présenter un véhicule étonnant, un concept incroyable et inédit dans la production automobile. Nous voulons parler de C3 pluriel. C3 pluriel, qui sera commercialisé début 2003, deviendra le nouveau porte-drapeau de la vitalité et de la créativité de Citroën. C3 pluriel s'inspire directement du concept car démonstrateur pluriel présenté à Francfort en 1999, puis à Genève et Paris en 2000. Ce concept est devenu aujourd'hui une réalité. Ce véhicule, Citroën l'a fait en trouvant les solutions techniques innovantes et adaptées pour proposer sur un même véhicule une multitude de configurations. Avec C3 pluriel, Citroën fait un bond en avant vers l'idéal automobile, avec une voiture apte à répondre aux besoins et aux sollicitations du quotidien, adaptable aux envies du moment et reflétant un mode de vie empreint de loisirs. C3 pluriel, c'est une voiture étonnante et attachante qui concrétise le renouveau de Citroën et le retour à ses racines. C3 pluriel, c'est une multitude de configurations avec une même et unique voiture. Il s'agit bien du même véhicule qui peut se transformer selon les circonstances en berline, cabriolet ou spider. Basé sur la même plateforme que C3, C3 pluriel partage avec C3 une communauté morphologique dans les volumes généraux ou encore au niveau de la ligne de ceinture de caisse convexe. Ces éléments de style signent véritablement l'appartenance à la famille C3. C3 pluriel a toutes les qualités dérivées de la version 5 portes, que ce soit en termes de sécurité, de confort ou d'équipement. Cependant, aucun élément de carrosserie n'est commun et chacune de ces C3 a sa propre personnalité et son propre style. Véritable véhicule coup de foudre, C3 pluriel a un style tout en tension dynamique, associant douceur et énergie. Elle inspire robustesse par ses volumes, mais aussi par ses voies larges, gage d'une bonne assise sur la route. La face avant, au galbe généreux, est structurée par les projecteurs. Ceux-ci remontent haut sur les ailes en encadrant le capot, et leur ligne espiègle, reconnaissable entre toutes, souligne la véritable personnalité de C3 pluriel. Son style se différencie de l'univers traditionnel des berlines, notamment grâce au traité bicolore de la carrosserie. En partie haute, la forme tout en galbe des arches de toit dégage à la fois élégance et robustesse. L'absence de pied milieu participe à cette légèreté de ligne, avec de grandes surfaces vitrées continues depuis l'avant jusqu'à l'arrière. Mais C3 pluriel est aussi reconnaissable entre toutes en vue arrière. Tout d'abord avec ses feux arrière au traité aluminium qui leur donnent relief et personnalité. Le bouclier inspire robustesse et son relief en partie basse évoque l'univers des véhicules de loisirs. Enfin, la signature Citroën est bien mise en valeur par des chevrons positionnés sur le volet arrière et un lettrage chromé sur toute la largeur de la lunette arrière. C3 pluriel a été conçu comme C3 5 portes, c'est une vraie voiture pour tous les jours. Cependant, elle se révèle plus pratique et ingénieuse avec, par exemple, une lunette arrière ouvrant indépendamment du volet arrière. Le coffre est particulièrement grand et offre un volume comparable aux meilleures berlines de son segment. Sous le plancher se trouve toujours une roue de secours, élément devenu rare sur un véhicule découvrable. Son habitacle, vaste et lumineux, permet d'accueillir confortablement 4 adultes et leurs bagages sur tout type de trajet. Les 4 vitres latérales se baissent électriquement, offrant ainsi une ouverture panoramique sur l'extérieur, même depuis les sièges arrière. Enfin, le toit ouvrant offre plusieurs positions d'ouverture, permettant de dégager toute la surface du pavillon. De berline 3 portes, C3 pluriel devient ainsi une vraie berline panoramique qui déjà ne ressemble à aucune autre.
une vraie berline plaisir, une invitation permanente à vivre ses trajets différemment d'une berline traditionnelle. Berline, berline panoramique, et maintenant cabriolet. Elle a maintenant une personnalité nouvelle et vraiment différente de la C3 pluriel que nous avons vue précédemment. Regardons comment nous sommes passés de l'une à l'autre. Le toit souple replié intégralement sur la lunette arrière forme avec celle-ci une cassette de toit qui s'escamote complètement dans le faux plancher grâce à deux bras latéraux. Maintenant, l'habitacle est complètement ouvert, comme dans un cabriolet. Du point de vue du style général, cette configuration met en valeur l'élégance des arches et l'absence de pied-milieu. Au-delà du style, ces arches sont solidement ancrées à la caisse du véhicule et forment une structure rigide de protection pour les occupants. Décidément, C3 pluriel n'a pas fini de vous réserver des surprises. Parlons maintenant de cette nouvelle configuration, C3 Spider 4 places. Un Spider aux lignes pures, à la personnalité unique, totalement dédiée aux loisirs. C3 Spider dégage une personnalité source d'émotions particulières. Le Spider est le symbole du rêve automobile. Il est la promesse d'un plaisir automobile exclusif et inédit. Vous voyez à présent comment, à partir de la configuration cabriolet, une personne seule, sans outillage, peut instantanément faire de C3 pluriel un Spider 4 places. Il suffit pour cela d'actionner les mécanismes qui maintiennent l'arche à l'avant et à l'arrière afin de désolidariser les arches de la structure. C'est fait en un clin d'œil. Cette configuration Spider met en valeur la pureté des lignes de C3 pluriel et ajoute une dimension ludique et pleine de vitalité à sa personnalité. La ligne de ceinture de caisse est encore soulignée. Rien ne vient entacher sa pureté. L'ambiance à bord a fait l'objet du même soin du détail que le style extérieur, unique et en harmonie avec la personnalité du véhicule. Vous pouvez ainsi voir que la présentation de l'habitacle est enrichie par des inserts couleur caisse aux formes fluides qui habillent les panneaux de porte. Ce rappel de couleur est complété par des coques au dos des sièges avant. De plus, un wishbone fait office d'accoudoir et de poignée de maintien de l'avant à l'arrière et évoque l'univers des sports nautiques. Il s'agit d'un vrai Spider 4 places, permettant de voyager à 4 adultes, confortablement, et en plein air, même avec des planches de surf. L'installation et la sortie aux places arrière est aisée grâce à l'amplitude de mouvement des sièges et aux portes de grande taille. Le seul élément dépassant de la ceinture de caisse est le pare-brise avec des montants de grande dimension qui, associés aux arceaux dans les appuis-têtes arrière, offre le meilleur niveau de sécurité parmi les cabriolets classiques. De plus, la hauteur du pare-brise panoramique a été étudiée pour éviter aux occupants d'être gênés par les remous d'air, même à l'arrière. Mais ce n'est pas tout. En effet, C3 Spider offre une praticité à l'usage inconnue chez les véhicules découvrables. Le compartiment arrière présente un système d'ouverture aussi pratique qu'inédit. Le volet arrière s'ouvre vers le bas, offrant ainsi une ouverture large et permettant de poser des objets lourds et de les faire glisser sur le plancher plat. Résistant jusqu'à 100 kg, il permet aussi de s'asseoir, c'est vraiment pratique. C3 Spider pousse encore plus loin la modularité, puisque les dossiers arrière sont rabattables indépendamment et instantanément grâce aux ceintures embarquées, libérant ainsi une surface plane depuis le volet arrière jusqu'au dossier de siège avant. Ainsi, C3 Spider devient Spider Pickup instantanément. C'est inédit sur le segment des véhicules découverts.
En introduction, nous vous parlions de l'idéal automobile qui serait une voiture s'adaptant selon les besoins, les envies. Aujourd'hui, vous avez vu successivement une C3 berline 3 portes, une C3 berline panoramique, une C3 cabriolet, une C3 Spider 4 places, une C3 Spider pick-up. Et il y en a encore d'autres. C3 pluriel est un véhicule hors norme qui provoque des émotions, de la passion et qui confirme le renouveau de l'image de Citroën. C3 pluriel va devenir le symbole de la vitalité de Citroën. Avec C3 et C3 pluriel, poursuivons ensemble la saga Citroën.